fêter ce qu'on appelle, nous, pas l'indépendance, mais la réconciliation entre les Français et les Algériens. Donc on fait un bal et où on chante beaucoup de standards de la musique maghrébine. Barbès Café, que Méziane Azaïch a créé, raconte l'histoire de toute l'immigration algérienne des années 20, 30, 40, 50 qui arrivait en France, qui se retrouvait dans un pays où elle ne parlait pas la langue, mais elle était obligée d'être là pour le travail, qu'on avait ramené de force ou pas. Comme il avait lui eu la chance d'avoir un ou deux cafés qu'il a gérés, donc il a vu toute cette vie qui se passait dans le café, donc ce lieu magique, cette cour des miracles où les gens se rencontrent, s'échangent les informations, les nouvelles du pays, où on échangeait, on donnait l'argent qu'on devait ramener aussi au bled pour la famille, où aussi on demandait s'il y avait du travail quelque part, mais aussi où il y avait un groupe d'artistes et de musiciens qui jouaient et qui permettaient de faire la fête ou de pleurer, tout dépendait de la chanson. L'avènement d'un répertoire musical très important et qui a été vraiment créé qu'en France déjà, qui n'a même pas été créé en Algérie. Et ces artistes-là n'ont pas vraiment n'ont pas été connus par le public français, entre guillemets, qui ne les côtoyait pas, donc parce qu'ils ne fréquentaient pas ces cafés-là. Café pour nous est un message qui s'adresse à tous les gens, quelle que soit leur origine, parce qu'il raconte le déplacement d'une population, et ça peut ressembler à tout déplacement d'une autre de la population portugaise, qui peut ressembler à d'autres déplacements de population, mais surtout ça raconte aussi que la vie peut se partager n'importe où. Dès que les gens se connaissent, dès que les gens écoutent la musique de l'autre, goûtent la cuisine de l'autre, échangent avec les autres, il y a moins de peur et les gens font la connaissance et donc après font la fête. Et je pense que ça enlèvera beaucoup de problèmes de ce monde actuel.